Et c'est tout le monde, c'est LuffyCraft et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien. Pour ma part, moi ça va nickel. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une vidéo sur Buildcraft. Et oui, les amis, vous attendez pas à avoir une vidéo ici vite de Buildcraft. Hein. Moi non plus. C'est pour vous annoncer quelque chose de très important, unique en son genre comme vous n'avez jamais vu sur votre chaîne. Enfin, sur ma chaîne. Attention, est-ce que vous êtes prêts? C'est juste que je vais. Comment dire? Oui, bonjour. Un autographe, voilà, voilà mon autographe. Je vais comment dire arrêter cette série parce que il n'y a pas du tout de participants. Les deux qu'on en a eu, ils étaient très bien en tout cas à leur maison. Et je vais vous dire les résultats aussi de la dernière vidéo de Buildcraft par rapport à cette vidéo là. Je vais vous dire, voilà comment dire que je vais vous donner donc le sondage, donc il va s'afficher là maintenant. Et c'est Seb qui a gagné avec à peu près 83% de votes. Donc il a eu 6 votes et 1% pour Oussama Ferry. Donc disque à peu près 14% si je ne me trompe pas. Voilà. Donc c'était très très cool. Et franchement voilà, c'était très bien en tout cas d'avoir fait ça. Donc vous, le lien de Seb de sa chaîne sera en description. N'hésitez pas à la voir, elle s'appelle Le Gamer. Elle sera dans la description obligatoirement si je l'oublie. Et dites-le moi vite si je l'oublie, je le mettrai dans les commentaires au cas où. Mais il n'y a pas de souci, j'ai déjà le lien, il faut juste que je la mette dans la description et puis c'est bon. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à Le Gamer, ça fera extrêmement plaisir pour moi et pour lui. Donc n'hésitez pas à y aller, le lien sera dans la description. Sinon pour avoir plus d'informations au niveau de Buildcraft, au niveau de ça, je l'arrête parce que le manque de participants est vraiment là en fait. C'est que normalement je devais en avoir 3 pour la vidéo que je devais faire, pour la première vidéo. Et malheureusement il y en a un qui ne m'a pas du tout répondu et je ne sais pas s'il s'est reconnecté depuis le temps sur la playlist, je n'ai pas vérifié. Malheureusement j'ai été obligé de faire cette vidéo avec que ces deux participants. Bon, ce n'est pas très grave, ils ont très bien fait leur truc, très bien fait leur construction, qui était bien sûr sur le thème de naturel et qui ont très bien fait, surtout Oussama Ferry. Par contre Seb avait fait une genre de cabane si je ne me trompe pas, à peu près dans l'arbre, c'est ce qu'il m'avait dit, c'était une genre de cabane qu'il avait fait. Franchement en réfléchissant bien après la vidéo, j'ai eu quand même certains doutes parce que je tiens à le préciser que quand même c'est par rapport, il faut faire ça par rapport au thème. Je n'ai pas réagi au premier quand ils ont fait leur construction parce que ça n'avait pas venu dès à l'esprit, mais quand j'ai vu la construction après, bien plus tard par la suite, je me suis rendu compte que c'était une cabane et non pas une maison. Naturel, c'était une cabane dans les arbres. Ça ne fait pas une maison naturelle. Pour cette fois-ci, je laisse passer, mais la prochaine fois, ça ne sera pas accepté parce que je veux que ça soit à peu près dans le même style que ça. Enfin, dans le même style. Ça ne veut pas dire que j'ai une préférence pour cette maison. C'est juste pour vous dire que c'est à peu près le style de maison naturelle avec les bons matériaux très bien utilisés et vraiment la maison qui est comment dire vraiment bien utilisée aussi. Là c'est une maison dans la c'est une cabane, donc c'est pas spécialement toi tu vas t'arrêter de te mettre devant moi parce que je vais péter un plomb. C'est pas une maison non plus c'est pas une maison naturelle, c'est une cabane qu'on a construit, on va dire comme dans la vraie vie, qu'on construit dans un arbre, c'est tout. Ça ne fait pas une maison naturelle, voilà ce que je veux dire. Mais sinon ce n'est pas très grave, je l'accepte pour cette fois-ci, mais la prochaine fois, bon, j'ai quand même dit que j'arrêtais le Buildcraft pour l'instant, tant que je n'ai pas de participants, il n'y en aura pas en fait, voilà, c'est très simple. Je vous donne quand même les résultats quand même, parce que s'il n'y a pas de vidéo, vous ne saurez jamais les résultats. Et par contre, je tiens à préciser que si j'en refais, par rapport au truc de gagnant et tout, je ne donnerai aucun info pour qui a gagné ou quoi que ce soit, et évitez de me demander plusieurs fois pour si ça se repasse, parce que j'aime pas trop qu'on me demande plusieurs fois ce que par rapport à ça et je déteste ça. Si la personne qui me demande à chaque fois c'est elle la gagnante, je la ferai pas passer en tant que gagnant, je ferai gagner quelqu'un d'autre parce que je supporte pas ça. Voilà, je tiens quand même, je le dis. Pour, franchement, parce que sinon après ne soyez pas étonné, mais je préfère, voilà, c'est quand même, voilà, je préfère vous le dire.
Donc voilà les amis, c'était une petite vidéo très très simple pour, ben, voilà, pour vous dire que ben, c'est comme ça, c'est bon, c'est fini. Le... Oui, attendez, attends, attends, oui, quoi. Attends, deux secondes, oui, j'arrive. Et que ben, voilà, c'était pour l'instant la fin de la série. Et que ben, vous allez avoir d'autres vidéos bien après, pas pour l'instant en tout cas. Tant que je ne trouve pas de participants. Mais voilà, en tout cas, bien joué en tout cas à Seb pour sa maison et pas pour ça, pour avoir gagné. Je dis bravo, et bien sinon, bah, vous pouvez toujours aller voir dans la description. Vous allez avoir le lien de la chaîne pour ceux qui veulent aller le voir. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Sur ce, bah, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à me rejoindre sur Twitter et sur Discord. Vous avez les deux liens dans la description. Moi je vous retrouve pour de prochains lives et de prochaines vidéos. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine tout le monde. Ciao!